j'aimais beaucoup Maria Carré. Et j'avais mes classeurs et je prenais ma brosse à cheveux et je chantais les morceaux de Maria Carré. Et je m'étais dit que j'allais devenir chanteuse comme Maria Carré, mais que j'allais passer par la flûte. Et tu vois, je suis encore flûtiste, je suis pas chanteuse. À mes 6 ans, ma mère m'a proposé d'essayer la musique, et donc j'ai voulu faire du violon. Et là, on m'a fait comprendre qu'il allait falloir que je me mette à une table et que j'écrive et que j'allais pas toucher à un instrument pendant un an. Et là, j'ai pas compris. La musique est un langage. Est-ce qu'on apprend à écrire avant d'apprendre à parler? Je suis pas sûre. Donc on est parti de l'école de musique et de là, on s'est renseigné. Il y avait un prof particulier qui enseignait la flûte traversière et le saxophone. Il nous mettait la flûte avec. Et en fait, on était direct dans la pratique. Et arrivé à 9 ans, quand on avait la morphologie adéquate, il nous proposait le saxophone ou la flûte traversière. Et j'ai choisi la flûte traversière. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait la flûte traversière, je ne me suis jamais posé aucune question de changer d'instrument. J'ai rarement été attirée par un autre instrument. Mon professeur, mon premier professeur, était un jazzman, hein, donc la question ne s'est pas posée. Et il nous enseignait autant le classique, il faisait beaucoup de musique baroque, que le jazz. On travaillait l'impro en cours et la carotte c'était après, quand on était assez doué en impro, c'était de rentrer dans le big band. Donc, et là, l'improvisation en fait m'a beaucoup plu parce que c'est être soi-même, être complètement délivré, libre. Et non, moi ce que j'aimais beaucoup, c'est aller chercher cette sensation de transe que tu as aussi en musique classique, attention, mais d'une autre manière. Et donc évidemment, la sensation de transe en électro, en musique traditionnelle ou en jazz, elle est tout de suite là, quoi. J'ai monté mon premier groupe à 18 ans, on a commencé à faire des reprises et puis j'ai voulu commencer à composer et puis bon, le groupe s'est cassé la figure. Après, je suis partie en tournée avec Wax Taylor et en fait, c'est le fait de m'imprégner de beaucoup de musique de plein de gens, parce que j'ai pas joué que pour Wax Taylor, j'ai joué aussi pour plein d'autres gens, et au fur et à mesure de s'imprégner, de prendre, d'écouter, etc., et ben c'est, comme je dis, je suis un shaker, j'ai mis plein d'ingrédients, j'ai mélangé et à un moment donné, il a fallu que je sorte mon cocktail à moi. Et en 2011, Greg Paatio est venu en France et je peux te dire que j'étais là. Et que je l'ai rencontré et que j'ai pris des cours avec lui. Tout vient de lui. Après, je me suis réappropriée en m'en servant plus comme un élément de compo après, donc dans Antiloops, etc. Oui, j'ai reçu une dizaine de flûtes Pearl et je les ai essayées pendant quelques semaines. Et je les ai bien testées. j'ai eu une flûte d'études Pearl quand j'avais 20 ans, voilà, que j'ai beaucoup aimée. Et après, j'ai eu ma première flûte alto, c'était une Pearl. Et un peu plus récemment, j'ai acheté mon Piccolo Pearl. Donc oui, je connaissais. J'ai besoin, mais bon, c'est ma manière de jouer, j'ai besoin d'avoir une embouchure ou une flûte assez ouverte parce que j'aime bien pousser les limites de l'instrument. C'est ça qui m'intéresse. La rondeur du son, la puissance du son, la rondeur du son
et la palette sonore, de pouvoir faire plein de couleurs différentes, plein de nuances, et que la flûte réponde bien à la dynamique du musicien. C'est ça aussi un bon instrument, que ce soit un instrument pour étudiants ou un instrument pour professionnels, c'est l'homogénéité du son. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va pouvoir avoir un do grave aussi puissant, presque aussi puissant qu'un contrut. Plus on monte en gamme, plus le son est riche en harmonique. Et j'ai trouvé que celle-ci répondait bien à mon tempérament. Ouais, je suis toujours convaincue.